Ay, caramba. Mamma mia. Bruh. Wesh. Wesh. Mec, Pourquoi tu l'as tué? qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai prévenu, toi. Pourquoi tu l'as tué? Je l'ai prévenu. Quoi? Tu l'as prévenu Wesh, de j'ai fait quoi, quoi là? mec? T'es mafieux, t'as tué un mafieux. Oui, mais je l'ai prévenu. Tu m'as prévenu de T'as quoi? prévenu J'ai de fait quoi? quoi? Pourquoi tu l'as prévenu? Parce qu'il provoque. Bruh. Quoi? Et ça, tu m'as provoqué aussi, arrête de me provoquer. Il est malade ou quoi, lui? Le mec, il arrive au calme, il... Ouais, j'ai vu Normal. ça. Ouais, j'ai vu ça, mec. Ah, il m'a provoqué, je suis désolé, il m'a provoqué, je suis vraiment désolé. Mais Ah, il faut pas me provoquer, hein. il t'a provoqué, mec. On veut pas de traite chez nous, non. Ouais. Bonjour. Bonjour. Monsieur, je voudrais un Kevlar, s'il vous plaît. Bonjour. Un Kevlar, Bonjour. monsieur. Un Kevlar. Ok, 3500. Oh, monsieur, vous vendez cher, monsieur. Vous vendez cher, T'as pas le droit d'avoir hein? des armes lourdes 3200, c'est bon. en tant que vendeur d'armes. 3200. T'as pas le droit d'avoir des armes lourdes en tant que vendeur d'armes. Où? Ensuite, collègue, on y va. Allez, collègue! Attends. On y va! Non, monsieur. Ok, c'est bon, vas-y, let's go de Allez, l'aller. collègue! Allez, go, 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 go! Wesh, moi aussi, je l'ai par balle, Allez, collègue, les collègues, on y va, les y'a collègues, on un y va! cave. On y va, les Attends, collègues! je On y lui va, les paye une collègues! arme. Attends, tu payes une arme! Ok. Dis-moi, ça fait combien? 6000 AK Kevlar. 6000, 6000. Ouais, les deux. Les Bon, deux, on commence, vous nous rejoindrez, les gars. Allez, venez, ceux qui sont prêts. Joue RP, putain! Ouvre la porte, va ouvrir la porte! Voilà, c'est bien, c'est bien. Va ouvrir la porte. Et si j'ai pas envie, on fait quoi? Bah c'est pas RP si t'as pas T'as envie. compris ce qui se passe? T'as compris ce qui se passe? Si t'as pas envie, ok, là je peux te buter là. Donc, va ouvrir la porte. Là je peux te buter là, ok? Avec ton petit crâne chaud de merde là. Mais je bats ton crâne. Mais gros, ouvre moi je la vois pas en porte. dessous. Je peux te buter là. Ouvre la porte, joue RP. On passera de la thune, on À passera plein de la la thune. S. S, il veut pas à plein la mine. C'est bon, vas-y, ouvre, ouvre, ouvre maintenant. Ouvre. Ouvre. Ouvre là! On s'en fout de lui, on s'en fout de lui, on s'en fout de lui. Vas-y, on a besoin de Ouais, la clé. allez, on y va. Vas-y, on a besoin. On appuie sur le bouton. 2, 1. Eh, sinon vous m'aidez les mecs ou je tue tout le monde tout seul? Comment ça se passe là? Mais on fait ça depuis tout à l'heure là. On fait ça depuis tout à l'heure. Hein. Mec, c'est pas bon, pas bon, mec, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Moi je suis bien, ouais. Quoi? Vas-y, vas-y. Non! Il y a eu un mort. T'es mort comment? Les gars, je suis en haut, les gars. À l'étage. En haut. Là 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 là. J'ai pas eu de chance, mec. Vas-y, prends. Oh.
coup maintenant. Le maire il a à peu près confiance en moi. Et ce que je propose c'est que qu'on va faire la prise, la pseudo prise d'otage. Ce qu'on va faire c'est que t'as perdu ton accent tout... Mec attends, oh, non, parce ah, que il est bloqué. Mal à la gorge. En gros, attendez, laissez-moi. En gros, on va faire la prise d'otage. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter seul dans l'ascenseur. Je vais accéder dans le bureau du maire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un SMS à l'un de vous. Du coup, monsieur, monsieur le parrain, je peux vous poser une question? Oui. Le plan que vous avez, c'est possible de le marquer dans l'agenda des mafieux, s'il vous plaît? Comment? Le plan que vous avez à nous dire, c'est possible de le mettre dans l'agenda des mafieux ou pas? Quel agenda? Dégage-toi! Quel agenda? Oui, quel agenda? Je sais pas écrire, mon monsieur. Messieurs, braquez-le. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, monsieur, on parle de l'agenda des mafieux. C'est-à-dire que normalement, vous avez la possibilité de marquer quelque chose dans l'agenda des mafieux. Mais je ne sais vu pas écrire, monsieur, je vous ai parrain. Dit. Monsieur, j'ai quitté l'école à 9 ans. On a un peu de doute chez vous, monsieur. Le problème, c'est que vous allez faire plusieurs voyages à la mairie, nos ennemis, et vous vous isolez un peu trop souvent. Et il se fait que vous ne pouvez pas écrire dans la... Sans doute parce qu'au début du plan, j'étais allé voir le maire déjà pour demander si les mafieux pouvaient contrôler la ville. Écoutez, monsieur, vous êtes le parrain, vous pouvez avoir la possibilité de marquer quelque chose dans l'agenda des mafieux. Nous voulons que vous écrivez quelque chose dans l'agenda des mafieux. Si vous ne pouvez pas, c'est que vous n'êtes pas un parrain. Mais je ne sais pas écrire. Écrivez n'importe quoi, mais écrivez n'importe quoi. Écrivez n'importe quoi, monsieur, n'importe quoi. Non, mais en vrai, hors RP. Genre, attendez, là on parle hors RP. Genre, comment je fais, sachant que je suis pas vraiment parrain, en fait? Ah bah, tu peux pas. T'es couillé. Les traîtres, on les élimine.